Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la rubrique Profil Hebdo, yon condensé actualité semaine non. N'ap démarré ak marché changelan pour nous faire connaître tout référence BRH la pour journée 25 février 2023, c'est 149 gouttes 60,91 pour yon dollar américain. Taux moyen acquisition, sacré les TMA, pour journée 25 février 2023, d'après calcul Banque Centrale, établi à 151 goud 22,54 pour yon dollar américain. Sous marché informel là, pour journée 24 février 2023, dollar américain était à 150 goud à l'achat, d'après sa Banque Centrale fait qu'on a, il était à 153 goud à la vente. En dans banque yo, dollar t'est négocié à l'achat à 149 goud 34,86 et à 151 goud 22,54 à la vente. Goud la par rapport à peso dominicain pour journée samedi 25 février, c'est 2 goud 68,39 pour yon peso à l'achat et 2 goud 71,09 à la vente. On gade ensemble qui j'en s'atteye sous ma chez matière première yo. Prix baril pétrole, index WTI a augmenté à 0,9% pour fermer journée vendredi 24 février à 76,30 $. Pour arriver 2030, 175 millions de monde qui gagnent dans 89 millions de femmes actives capables de tomber dans la pauvreté extrême dans le pays qui n'en détresse d'être, ou soit qui gagnent gros risque pour tomber là-dedans, d'après un rapport Nations Unies. Dans le mois de novembre 2022, 37 dans 69 pays qui sont pauvres dans le monde ont un gros risque ou soit déjà dans la détresse dette, alors que yon sous 4 pays qui ont un revenu moyen, côté majorité monde qui sont pauvres à vivre, ont un gros risque pour tomber dans une crise fiscale. Nations Unies exigent une décision finale pour mettre pour pipiti 500 milliards de dollars américains chaque année disponibles pour pays sous-développés. Et puis converti prêt à coût d'iréo en dette longue durée, ak yon taux intérêt qui pi bas, non l'idée pour pays sa yo capable rive fè face à risque à dette qui trop gros yo. Nous devons augmenter massivement yon financement abordable sans nous pas écater financement ODD yo pendant n'ap améliorer conditions pour moun prêter l'argent en banque développement multilatéral yo, nous tap cité déclaration chef Nations Unies Antonio Guterres. Économie américaine n'en t'est monté à qui un pourcentage annuel de 0,7% pendant 3 derniers mois yo année ça selon sa département commerce t'est rapporté jeudi. Chiffre ça pipiti passé estimation avant qui c'était 9% croissance pour saison 1. En plus de ça dans mois janvier, économie américaine n'en t'est ajouté 517 000 travail et puis taux chômage l'en t'est tombé à 3,4%. Yon niveau nous patéwè depuis mai 1969. Dans la République dominicaine, 1% moun ki pi riche nan population touché environ 30% nan revenu national la d'après World Inequality Database WID qui publie yon rapport chaque année sur distribution richesse nan monde lan. Toujours d'après WID, 50% moun ki pi pov nan population Amérique latine nan recevoir 10% dans revenu région 1, alors que 10% qui pi riche recevoir 55%. C'est là nous mettions bout à Profil Hebdo pour semaine ça. Merci parce que nous t'a coûté. Rendez-vous cassé pour week-end prochain.